et aujourd'hui on part faire la muraille de Séoul. Derrière moi, l'une des portes d'entrée de la muraille de Séoul. On va faire ça aujourd'hui et demain. Normalement c'est 18 km donc ça se fait une journée, mais avec les jumeaux on a décidé de faire ça sur 2 jours. Ça va faire tout le tour de Séoul, on va passer par les montagnes, par la ville. Et je suis super contente parce qu'il y a une carte et des tampons. Donc nous sommes ici je pense et on va faire tout ça aujourd'hui et demain on fera tout ça. 1, 2, 3. Ok. Hop. On est sur le tronçon entre la porte est et la porte nord. On est parti pour faire le tour dans le sens anti-horaire. On vous dira si c'est bien. On a commencé la rando au-dessus de la muraille. Et maintenant, on continue de l'autre côté. Et là, on redescend tout en bas. Ça va être ça toute la journée. C'est comment? D'accord. Qui vont nous faire tout d'être trop rapide. Non, 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 Achille. Regarde devant toi. Regarde devant. Bah oui. Monte ta blessure. Et là, d'après un petit papy, encore 10 minutes de montée et on devrait arriver super pointu. C'est parti. C'est pas une légende. Hein. Derrière, il y a une vue trop belle sur le palais, mais on n'a pas le droit de filmer parce qu'entre deux, il y a une base militaire. On est qu'à 342 mètres d'altitude. C'est rien, mais... Je sais pas combien on a monté, mais on a monté beaucoup. Il fait très chaud. Le top du top est juste là. Ouais, mais avec les bébés, on va pas faire. Yes. Donc pour tous les escaliers qu'on vient de descendre et tous ceux qui restent, je pense que c'est mieux de faire dans le sens qu'on a fait parce que là, tout ça a monté. Ça aurait été chaud quand même. La montée est plus douce de l'autre côté. Go. Allez, dernière étape pour aujourd'hui. Entre la porte nord et la porte ouest, en passant par le mont Ingwangsan, et on a à peu près 200 mètres de dénivelé sur 1,4 km de long. Ça y est, Pauline à la traîne, elle en peut plus. On est monté tout en haut, il y avait une vue magnifique à 360 sur Séoul et les environs. Là on descend parce qu'on a 2 enfants qui commencent à en avoir marre. Donc ça sera fini pour aujourd'hui et demain on reprend pour faire toute la partie sud de la muraille. Allez, dernier kilomètre, il est pour vous les gars. Okay. Sans la fin de la première journée, on a retrouvé la ville. On va aller mettre le dernier tampon de la journée et on recommence demain matin. Bonjour. Début de la deuxième journée, on est porte ouest et on a eu le droit pour commencer à la relève des gardes, c'était top. Et c'est parti pour la Power. La Nam San Power. Pour arriver à la Nam San Tower, et que de la montée et je pense que des escaliers. Bon, 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 bon.
C'est l'heure d'une petite collation des deux tours. Oh, c'est poulet. Du poulet. Et ensuite, il restera un tronçon avant de rentrer chez nous, donc on va finir beaucoup plus tôt que hier soir, je pense. Et comme ça, les enfants vont pouvoir aller jouer. Parce qu'ils en ont un peu marre quand même, même si là, ils ont bien joué au parc. Oh, il y a des... Tu te fous pas un peu de ma gueule, toi? Fin d'aventure. Fin d'aventure, c'était le tour de la muraille de Séoul, ouais. 18 km sur 2 jours. C'était trop bien, franchement. Il y a des passages un peu moins cool que d'autres parce que c'est dans les rues, dans les quartiers résidentiels, mais c'est vraiment cool. On a des magnifiques points de vue sur Séoul. Je pense qu'il y a des tronçons qui peuvent être juste à faire pour juste avoir un point de vue, puis d'autres à voir. Si vous voulez vous challenger à faire le tour ou pas, et en vrai je pense que c'est faisable sur une journée parce que ça varie entre tronçons qui montent bien et puis trucs plus calmes comme là on vient de faire. Si vous voulez avoir mal aux épaules, bah surtout prenez faites-le vos avec enfants des bébés. Bébé. Allez. Tchuss.